sais, il y a très longtemps, j'étais une star de la musique. Eh oui. Oui, comme Eminem, oui, enfin, beaucoup plus riche. J'avais des millions de fans et des milliards de femmes. Et je passais mon temps à me faire des selfies à poil sur Instagram. Mais non, je déconne, je suis pas une star, je suis un type normal. Un personne, comme toutes ces personnes dont personne ne parle. L'énième Ulysse face à Polyphème. Alors écoute, mon odyssée exceptionnelle. J'ai commencé le rap, j'avais 13 ans. Je pensais être un mag, j'étais vraiment. Disons que j'ai écrit, j'ai persévéré. Et les gars qui m'écoutaient me disaient: voilà, tu vas percer. C'est qui des gens? Appelle-moi Jack Volpe, a.k.a. l'antistar, a.k.a. l'antistar. Tout le monde veut faire des vues, personne veut faire de l'art. Appelle-moi Jack Volpe, a.k.a. l'antistar, a.k.a. l'antistar. Non mais c'est bon, t'inquiète, je vais pas non plus faire genre. C'est de l'art, Charles-Édouard, vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est pas ça, faut que tu captes le concept. La seule chose qui intéresse de nos jours, c'est ton boss sur internet. Alors les montent les fesses dans leurs clips. Et y'a que 2% du rap qui contient de vrais lyrics. Par contre, si t'as des followers et plein de clics, alors tout le monde s'en fout de la qualité de ta musique. Tu veux être connu, signe là. T'es prête à tout pour être comme Selena. C'est génial, je ferai de toi ma Tabata. T'as du talent, ça vaut pas 10 dollars. Tout ce qu'on veut voir, c'est du style comme ces idiots-là qu'on idolâtre. C'est marrant, avant y avait des artistes, maintenant ils sont devenus les petits pantins des maisons de disques. Peu importe ton message, tant qu'on peut vendre ton image, alors me demande plus pourquoi je monte pas le visage. Appelle-moi Jack Volpe, a.k.a. l'antistar, a.k.a. l'antistar. Tout le monde veut faire des vues, personne veut faire de l'art. Appelle-moi Jack Volpe, a.k.a. l'antistar, a.k.a. l'antistar. Je vais te raconter une petite histoire. Ça s'intitule Les incroyables aventures de Jack Volpe. Jack Tirevio. Jack Tirevio. Les incroyables aventures de Jack Volpe. Incroyable aventure, Jack Volpe. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Bedtime story time.